Si aujourd'hui on voulait vraiment qu'il n'y ait plus d'attentats islamistes en France, si aujourd'hui on ne voulait vraiment plus que des cas comme Nice que nous avons connus ne se reproduisent plus jamais, il y aurait deux façons de faire. La première, si la France était encore un peuple, tous les jeunes de ce pays devraient se lever, les jeunes français de souche, mais peut-être même d'ailleurs avec certains musulmans, et devraient aller dans les banlieues pour foutre le dawa, devraient aller dans les banlieues salafistes pour tout casser, et devraient attraper les salafistes par la barbe et leur couper la barbe comme faisaient les Turcs au XXe siècle sous Atatürk. Personne ne fera ça. Mais de vouloir aller attraper. Les innocents. Ah ouais, par la barbe. Tu veux faire un jeu, je te tiens, tu me tiens par la barbichette, monsieur Roujdi. Parce que ça sera pas toi qui le feras, ça, ça serait évidemment. Beau ça quand même. Toi, tu seras comme les autres dans les bureaux. Tu me ferais bien plaisir de venir me titiller la barbe, mon à ami. Appuyer sur un bouton. Ouais, ça serait marrant ça. Mais je pense que ça, tu l'as bien rêvé ça. Mais bon, si tu veux essayer, y a pas de souci, hein. Marseille, 13 015, quartier Nord. On est de là, nous. Oui, d'ici ou d'ailleurs, de toute façon, il n'y a pas de coin qui fait qu'on est plus des hommes que d'autres. Mais bon, c'est bien beau de te monter la tête devant une caméra et de jouer sur l'amalgame pour faire peur aux gens. Pour, en fait, D'appeler à la ratonnade voilà, et à la guerre à la civile. Ratonnade, tu vois, mais bon. Parce que. Ça, c'est du rêve, mon ami. Hein. Parce que. Mais on peut y venir par rapport à des gens comme toi. Si tu aurais fait preuve d'un petit peu plus d'intelligence, tu sais que les guerres civiles, avec ou sans musulmans, ça a été. Toujours été en premier lieu contre le peuple pour servir d'autres causes. Exactement. Et d'autres personnes. En général, les gens qui nous gouvernent. Tu peux pas expliquer aussi vite fait quand tu fais l'amalgame sur les salafistes? Oui, sur les salafistes, oui, bien évidemment. Parce que ces gens aujourd'hui ils sortent des termes. Mais ce que je. Islamisme. Voilà, il faut faire la différence entre des terroristes qui sont des personnes mauvaises, méchantes, qui ont été manipulées religieusement ou bien politiquement, comme je le disais tout à l'heure, et qui font du mal, qui sont mauvais. Nous, personnellement, ces gens-là, on les appelle les chiens de l'enfer. Exactement. C'est comme ça qu'on les appelle. Et ce sont des chiens de l'enfer. Et les salafistes, les théologiens du courant salafiste, ils ont toujours été contre, ils ont toujours dénoncé, que ce soit les takfiristes, les actes de terrorisme, ils ont toujours dénoncé. Tous ces gens qui font des actes de terrorisme. Et pour vous dire, et pour te dire, même ceux qui se faisaient exploser en Palestine. Les attentats suicides. Les attentats suicides. Mais même à une époque, on attaquait les salafs, parce que justement, ils étaient contre le fait de se faire exploser. Au milieu des foules, parce que en islam il y a des codes même dans la guerre et on ne peut pas attaquer les femmes, les enfants, les vieilles, la population en général. Ça se passe sur le champ de bataille, pas où le peuple vit. En général, les guerres se font sur un champ de bataille où tout est organisé pour que pas pour que qu'il n'y ait pas. Bien évidemment, aujourd'hui où tout le monde est corrompu et même chez les musulmans entre guillemets. Les gens sont dans leur, comme dirait Dieudonné, ils sont dans leur toilette, ils appuient sur un bouton et boum, ils lâchent une bombe sur des populations. Et il y a aussi des gens qui vont se faire sauter, et il y a aussi des gens qui prennent une calache et qui tirent. Et pour revenir à ces rigolos qui disent, ils sont contre notre culture, j'en ai même entendu un qui disait, contre notre musique. Ils n'aiment pas notre musique. Ils sont contre notre musique. À Médine. Là où il y a tous les musulmans. En Irak. Là où il n'y a que des musulmans. C'est des populations musulmanes, islamiques, en ils Turquie. Ils sont aussi tout pareil. Et ils subissent aussi les attaques attentats. Terroristes. Eh ouais. On a eu un à Médine il n'y a pas longtemps, comme vient de dire le frère. De ces Daesh. Donc de dire qu'ils s'en prennent à notre culture, à notre musique ou à nous, c'est. Même les gens, paix à leur âme, qui se sont fait renverser à Nice. Il y avait des musulmans dedans. Et toutes nos condoléances, ils vont à ces familles. Bien sûr. Et on souffre pour eux. Comme on souffre pour tous les gens qui souffrent dans le monde du terrorisme. Et on qui mort souffrent. Tout pareil, nous aussi. C'est voilà, c'est. Y avait des musulmans, comme il dit le frérot. Donc voilà, petite vidéo, elle est un petit peu longue, ça fait 10 minutes, mais pour dire à Rojdi, c'est pas digne de toi, et c'est pas digne de penser comme ça quand on prétend être un homme politique et qu'on veut faire de la politique.